Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir ou bonjour, ça dépend à quelle heure vous regardez cette émission. En fait, je suis la sœur Gisèle, accompagnée de la sœur Angela. En fait, nous sommes là ce soir. C'est pour vraiment rendre grâce au Seigneur, parce que c'est merveilleux ce qu'il fait, en fait. Et je remercie d'ailleurs le Seigneur de nous permettre ce soir de témoigner vraiment et puis de le remercier en fait pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il fait en fait partout dans le monde et notamment par cette œuvre à TV Devi. En fait, j'aimerais passer un message à la jeunesse, à tout le monde en fait, que Jésus revient. Et qu'il est vraiment temps de nous sanctifier, vraiment mettre à part pour le Seigneur, hein, parce que nous ne savons pas quand il revient. Et vraiment, si tu entends cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Hein, vraiment, c'est que le Seigneur t'interpelle, toi qui es en train de nous suivre, que vraiment il est temps de mettre de l'ordre. Et donc, en fait, je veux laisser ma sœur Angela témoigner ce que le Seigneur a fait. C'est vraiment un miracle. Moi, je suis vraiment dépassée. c'est vraiment merveilleux, en fait. Donc, je vais laisser ma sœur Angela, en fait, témoigner ce que le Seigneur a fait pour elle. Amen. À toi, Angela. Donc, bonjour à tous. Donc, voilà, je m'appelle Angela. Ça va faire 7 mois que je suis convertie à peu près. Et le Seigneur a vraiment changé ma vie, transformé ma vie. Et vraiment, je voulais dire que si vous pensez que cette vie-là n'est pas pour vous, que vous n'êtes pas prêt à suivre Jésus et abandonner tout ce que vous aimez, détrompez-vous parce que Dieu vous aime. Et Dieu vous veut vraiment que pour vous et si vous avez le courage pour lui si vous avez le courage de tout abandonner pour lui c'est une grosse preuve d'amour, une grande preuve d'amour à ses yeux. Et moi si je dis ça parce qu'avant j'étais complètement dans le monde, j'étais complètement perdue, j'étais déboussolée, je n'avais pas de repères, je parlais très mal aux gens, je respectais personne. À l'école, voilà, j'allais à l'école pour rigoler, pour passer du bon temps avec mes amis, pour voilà, fumer, même boire ou des choses comme ça. Enfin, je prenais pas la vie au sérieux en fait. Il manquait quelque chose à ma vie. Et à force de jouer comme ça avec la vie, bah, je suis tombée en dépression. J'ai fait une grosse dépression. Je faisais plus rien de mes journées. Je faisais que pleurer, dormir. Je savais plus en fait ce que je voulais. Enfin, pour moi, il y avait que la mort qui m'attendait, et je voulais vraiment me suicider parce que, voilà, je me rabaissais, je trouvais que j'avais pas de valeur et que c'était déjà fini pour moi. J'avais déjà raté mon bac donc 2 fois à cause de toutes mes bêtises. Donc, je prenais pas l'école au sérieux comme je vous l'ai dit. Et donc, le Seigneur a voulu changer ça. Il n'a pas voulu que je meure. Si le Seigneur a permis aujourd'hui que je sois encore en vie, c'est parce qu'il a quelque chose de plus grand pour moi. Et je veux vraiment encourager les jeunes et tout le monde, en fait. Pas que les jeunes, aussi les adultes, tout comme les jeunes. Parce que, voilà, les enfants, ils vont souvent regarder comment leurs parents font. Et si ils sont déboussolés, s'ils n'ont pas de repères, etc., c'est aussi peut-être parce que les parents les ont délaissés. Mais moi, je veux vous dire que votre Père, c'est Jésus. Et que Jésus veut vraiment vous donner de la valeur à ses yeux. Vous comptez énormément. Il vous a créé. Il est votre créateur. Donc ne le négligez pas et ne lui tournez pas le dos. Il attend seulement que vous le suivez, en fait, que vous le cherchez. Si vous êtes sincère, il va pas vous délaisser. Moi, auparavant, donc voilà, je consommais de la drogue, mais très haute dose. Ça veut dire que je pouvais pas passer une journée sans consommer. J'étais obligée. Pour moi, c'était vital. C'était devenu un besoin vital. Donc là, c'était vraiment grave. Et je faisais n'importe quoi quand j'avais pas pour fumer, je pouvais très bien aller voir des gens pour me fournir, même si bon j'avais pas forcément l'argent ou quoi. C'était devenu très grave. Il y avait que ça où je trouvais un plaisir, mais ça c'est le mensonge du diable, c'est vraiment le diable qui veut nous détruire à travers tout ça. J'étais dans l'impudicité, voilà, péché sexuel. Je parlais très mal à mes parents.
Je manquais de respect à mes parents, j'ai même frappé ma mère et j'ai fait des choses très graves. Et je remercie le Seigneur d'avoir changé ma vie, de m'avoir touchée, parce que sinon, aujourd'hui, je ne sais pas ce que je ferais. Ça se trouve, je serais en prison, ça se trouve, je serais morte. Je ne sais pas ce qui m'attendrait, en fait. Donc vraiment, je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire, le changement qu'il est en train de faire dans ma vie. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dans ma famille qui ne me reconnaissent pas. Voit que je suis vraiment avec Jésus, Jésus avant tout, Jésus, Jésus. Même quand je vais chercher un truc dans mon frigo, c'est Jésus. Enfin, Jésus doit toujours me confirmer ce que je veux faire, en fait. Et c'est ça, en fait, la vie. C'est Jésus, c'est Jésus qui donne la vie, c'est Jésus qui donne l'amour. Et même si les gens vont me prendre pour une folle ou quoi que ce soit, moi, je serais heureuse de dire oui, je suis folle de Jésus. Et c'est ça, en fait, qu'on veut aujourd'hui. Jésus aime les personnes comme ça, les gens qui laissent tout derrière eux juste pour le suivre. Parce que nous, on sait où on va, en fait. Certes, on ne sait pas les épreuves auxquelles on va être confronté, mais on sait que c'est pour atteindre le sommet, et le sommet, c'est Jésus. Donc vraiment, c'est ça, en fait. Faut vraiment voir Jésus dans tout ce qu'on fait. Et quand on est face à une action et qu'on ne sait pas comment agir, il faut se dire, mais qu'est-ce que Jésus aurait pensé de ça? Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Est-ce qu'il aurait estimé que ce soit bien? Est-ce qu'il aurait estimé que ça va souiller mon corps ou quoi que ce soit? Faut vraiment se poser la question, qu'est-ce que Jésus aurait fait? Et c'est ça qui nous donne la clé. Si on doute, Jésus peut permettre que tu doutes dans ta vie, justement, pour voir. Il te laisse comme ça dans le pétrin pour voir ce que tu vas faire. Est-ce que tu vas abandonner? Est-ce que tu vas continuer à le suivre? Est-ce que tu vas continuer à chercher c'est quoi ta voie? Et c'est ça, en fait, le message que je veux faire passer. Et j'aimerais lire un verset. Dans Ecclésiaste. Donc c'est Ecclésiaste, donc le chapitre 12, à partir du verset 1er. Donc il est dit « Message à la jeunesse. Jeune homme, réjouis-toi dans ton jeune âge et que ton cœur te rende joyeux pendant les jours de ta jeunesse, et marche comme ton cœur te mène, et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour toutes ces choses, Dieu t'amènera en jugement. Ôte le chagrin de ton cœur, et éloigne de toi le mal, car le jeune âge et l'adolescence ne sont que vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent, et que viennent les années où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Avant que le soleil et la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent et que les nuages reviennent après la pluie. Lorsque les gardes de la maison tremblent et que les hommes forts se courbent et que celles qui moulent cessent de travailler parce qu'elles sont diminuées et quand ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Et quand les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, quand on se lève au chant de l'oiseau et que toutes les chanteuses s'affaiblissent. Quand on a peur de ce qui est élevé et qu'on tremble en chemin, et quand l'amandier fleurit, et quand les cigales deviennent pesantes, et que l'appétit s'en ira, car l'homme s'en va vers sa maison éternelle, et ceux qui pleurent font le tour des rues, avant que la corde d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que la cruche se rompe sur la source, que la roue s'écrase sur la citerne, avant que la poussière ne retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit ne retourne à Dieu qui l'a donné. Donc ici, c'est vraiment pour interpeller le monde, tous les gens qui peuvent tomber sur l'émission, tomber sur ce que nous sommes en train de dire, tout simplement que laissez tout tomber pour suivre Jésus, vraiment si vous avez à cœur de vivre la vie éternelle, si vous croyez que Dieu peut faire de grandes choses dans vos vies, si vous croyez que Dieu peut vous changer, vous transformer comme moi, il m'a transformé, et encore je peux dire que c'est que le début, parce que moi-même, je m'en rends pas compte, pour moi, je fais rien, je cherche Dieu, mais c'est Dieu qui fait tout le reste, nous on n'est rien, on n'est que poussière, donc c'est ça le message. C'est laisser tout tomber, ne vous laissez pas distraire par la télévision, la musique, les publicités, les magasins, les copains, les copines, ça vous éloigne de Dieu, ça c'est le plan de l'ennemi pour justement vous éloigner de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur que les gens soient touchés Dieu, il vous aime et il est attristé de voir que vous le délaissez pour des choses comme ça qui sont vanité. Dieu nous dit, le monde est vanité, les hommes sont vanité, nous sommes vides de sens, nous sommes orgueilleux et c'est ça que l'ennemi veut faire jaillir en nous. Et c'est pour ça qu'on doit tout laisser tomber pour suivre Jésus, parce que c'est Dieu qui donne la valeur, qui donne la vie éternelle, qui donne la joie, qui donne l'amour, un amour qui surpasse tout l'amour que les hommes de cet homme. Vous pensez qu'un homme vous aime, mais ça, c'est pas comparable à l'amour que Dieu il éprouve pour vous, en fait. Et c'est ça, c'est chercher l'amour véritable, en fait. Et il y a que comme ça que vous allez vous sentir bien dans votre peau et que vous allez vouloir suivre Dieu. C'est que par l'amour, en fait. Il faut se rendre compte de cet amour avant tout, avant de penser aux récompenses. Donc voilà, je sais pas si c'est merveilleux. Bah écoute, c'est que dire.
Et chercher le Seigneur, vraiment cherchez-le pendant qu'il se trouve, hein, comme la parole dit. Et persévérer vraiment, persévérer jusqu'au bout. Et c'est vraiment merveilleux la vie avec Jésus. La joie qu'il nous donne, c'est il y a rien qui peut nous apporter en fait la joie et la paix que le Seigneur nous donne chaque jour, la paix du cœur. Et ce que beaucoup cherchent en fait, c'est tout ce que vous cherchez là dans le monde à travers les sexes, la musique ou je ne sais pas quoi, c'est Jésus en fait. Et voilà, donc je remercie vraiment le Seigneur pour ce partage. Et je prie vraiment que beaucoup de jeunes seront touchés par ce message. Et vraiment, voilà, c'est ça Jésus. Jésus change la vie, il change le cœur. Et gloire à Dieu. Et n'ayez pas peur qu'on vous prenne pour des fous ou des folles. Enfin, n'ayez pas peur, voilà, de prendre vos prix pour des sorciers ou des sorcières. Que voilà, t'es dans une secte. Les gens, enfin, voilà, les gens, ils vont vous critiquer, ça, c'est sûr. Mais ça aussi, c'est fait exprès. Tout est calculé pour que justement voir si vous allez continuer, vous allez retourner dans le monde ou si vous allez suivre Dieu. En fait, tout ça, c'est fait exprès. Il n'y a pas de tranquillité. Enfin, on n'a pas été créé pour. Oui, on a été créé pour adorer Dieu, mais on n'a pas été créé pour s'adorer entre nous, les hommes. Donc c'est ça en fait, il faut vraiment prendre conscience que quoi qu'il arrive, quoi que tu décides dans ta vie, tu te feras toujours critiquer. Donc laissez ça de côté, n'ayez pas peur que les gens parlent sur vous ou quoi que ce soit. Tant que vous êtes en paix avec Dieu, vous avez tout gagné. Et croyez-moi, c'est la vérité. Amen. Et vraiment, merci. Cherchez Dieu par-dessus tout, c'est ça qui compte aujourd'hui. Et c'est Dieu qui va vous éclairer, qui va vous dire qu'est-ce qui est bon pour toi, parce que Dieu vous connaît mieux que quiconque. Et si vous avez Dieu dans votre cœur, vous n'irez que de gloire en gloire. Vous ne pouvez pas reculer. On peut que avancer quand on est véritable enfant de Dieu. Et c'est ça, en fait. Enfin, vraiment, n'ayez pas peur de vous faire critiquer, que les gens vous disent « Non, mais c'est bon, elle parle que de Jésus, elle est complètement folle. Enfin, elle s'amuse pas. » Non, non, non. Nous, comment on s'amuse? Vous le ressentez pas. Vous pouvez pas savoir ce qu'on ressent. Vous n'êtes pas à notre place. Donc, laissez ces gens-là de côté et vraiment cherchez Dieu avant tout. Courez vers lui. Prenez-le dans vos bras. Serrez-le fort dans vos bras. Dites-lui que vous l'aimez. Et Dieu ne va jamais vous décevoir, et bien au contraire, il va que vous ramener de gloire en gloire, comme je disais. Et c'est merveilleux la vie avec le Seigneur, vraiment. Gloire à Dieu. Amen. Amen.